Starmania n'a pas pris une ride, l'opéra rock créé par Michel Berger réapparaît dans une cinquième version signée Louis Fourré sur la scène de Mogador. L'exception culturelle est respectée, il chante en français. L'amitié culturelle est respectée, il chante une fois par semaine en anglais. Gérard Dalmas, Jean-François Chevet. Invitation à 2 heures d'air célèbre. Starmania, l'histoire d'une bande de marlous terroristes, les Étoiles Noires, qui s'oppose à l'accession au pouvoir d'un candidat président de l'Occident. Toile de fond, une cité déshumanisée. Il est toujours. Il est toujours là. Spectaculaire. Vous avez déjà tout pris. Allez-vous partager mon cœur? J'aurais voulu être un chanteur. J'écris un opéra futuriste et finalement la réalité a beaucoup rattrapé la fiction. Je crois qu'aujourd'hui ça touche encore plus les gens. Opéra rock, bande dessinée. Beaucoup d'émotions servies par des voix magnifiques et des corps bien plantés. Moi, donc, j'ai pris des experts en arts martiaux et en acrobatie qui vont apporter cette violence et cette énergie. Mais aussi des chanteurs. Johnny Rockford, il a une ceinture noire en karaté. Et justement, je pense que eux aussi, oui, toutes sont des athlètes. Ces nouveaux talents inconnus ne le resteront pas longtemps. Chaque soir à Mogador, 1800 nouveaux starmaniacs.